Salut tout le monde et bienvenue pour cette 43e partie du défi, un livre par semaine pendant 52 semaines. Alors, cette semaine, je me suis attaqué au livre de Hubert Reeves, Poussière d'étoiles. Je pensais en faire qu'une bouchée, parce que vous avez vu, il est pas bien gros. Comparé à certains que j'ai fait dans les semaines précédentes, celui-ci, il pouvait tout à fait se digérer très rapidement en fait. Je pensais le terminer en 3 jours. Je me suis trompé lourdement. Pourquoi ? Parce que Poussière d'étoiles est un livre de vulgarisation scientifique au niveau des étoiles de la Terre. Donc il y a évidemment un peu d'astrophysique, il y a un petit peu d'astronomie, il y a également un petit peu de géologie, de biologie, bref. Il synthétise énormément de choses et il essaye de le rendre accessible. Le truc, c'est que dans ce livre, on apprend énormément de choses. Le problème, c'est que je me prenais littéralement plusieurs fois par page à devoir regarder et intégrer, assimiler ce que j'étais en train de lire. Ça, c'est le problème quand vous avez des livres qui sont bourrés d'informations dans un nouveau domaine que vous ne connaissez pas. Moi, je peux pas dire que je connaissais... Je savais bien sûr quelques petits trucs sur les étoiles, sur le cosmos, tout ça, mais j'étais loin de m'imaginer tout ce que j'allais apprendre dans ce bouquin. Donc ça, déjà, c'est super. Le truc, c'est que, du coup, quand vous apprenez tout un tas de nouvelles informations comme ça, ce qui se passe, c'est que vous êtes constamment en train de les mâcher, les digérer, et ça vous ralentit énormément dans la lecture. Donc ce livre qui je m'étais dit allez en 3 jours c'est bon, c'est plié, en fait non, il m'a bien fallu les 7 jours parce que voilà, de plus en plus de choses au fil des pages, des fois c'est, même si c'est de la vulgarisation scientifique, c'est une excellente vulgarisation scientifique, il n'en reste pas moins que pour moi c'est un domaine, ce sont des domaines qui sont très difficiles à vulgariser et parfois j'ai eu énormément de mal à suivre. Il n'en reste malgré tout que j'ai particulièrement apprécié ma lecture pour plusieurs points. Voici lesquels. Le premier, c'est l'exceptionnelle qualité des photos, des reproductions, des vues de l'espace que vous avez tout au long du livre. Et ça aide vraiment à bien se représenter ce qui est décrit et ce qu'on essaye de nous enseigner. Parce que c'est littéralement, Hubert Reeves essaye de nous enseigner quelque chose à propos de l'espace, à propos de la galaxie. On y traite sur les questions dont tout le monde se pose. Est-ce qu'il y a un bout à l'univers ? Non, la réponse est non, il est en expansion continuelle. Est-ce qu'il y a de la vie dans la galaxie, dans les galaxies, ailleurs dans l'espace ? Oui, il y a probablement de la vie, parce que, c'est sans avoir une preuve irréfutable, la façon dont la nature s'y prend et le hasard dont ils s'y prennent pour faire fonctionner la vie, il y a quand même il y a très très peu de chances pour qu'on soit vraiment les seuls. Honnêtement, je savais pas trop à quoi m'attendre en lisant ce livre, parce que je vais vous lire la quatrième de couverture, vous allez comprendre. Ce livre voudrait être une ode à l'univers. J'ai tenté de rendre hommage à sa splendeur et son intelligibilité, d'exprimer à la fois sa créativité et sa richesse. J'ai voulu donner à contempler et à comprendre. Donc c'est très poétique, et ce phrasé poétique, on va l'avoir tout au long du livre. En même temps qu'on apprend des choses au niveau scientifique. Alors, comment on apprend les choses en fait ? Comment le livre est découpé ? Les chapitres suivent une espèce de mouvement en fait. On commence par parler de notre planète Terre, puis on va sur les étoiles, qui sont juste à côté de nous, les constellations qui sont autour de la Terre. Et puis, au fur et à mesure des chapitres, on s'éloigne un petit peu, on va passer tout le système solaire, les différentes planètes, comment elles sont faites, pourquoi elles tournent, pourquoi certaines sont entourées d'astéroïdes et pas d'autres, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les températures, pourrait-on y vivre, etc. On va aller jusqu'au bout de l'univers, comme ça. Une fois au bout de notre système solaire, on va explorer les autres systèmes solaires, on va en parler, Hubert Reeves plutôt va nous en parler. Et une fois au bout des autres galaxies, aller au plus loin qu'on puisse explorer, qu'on puisse observer, on va revenir tout doucement et on va revenir directement via les comètes, c'est-à-dire qu'après on va parler des étoiles, le cycle de vie des étoiles, elles ont un métabolisme les étoiles, et ça je savais pas personnellement. Elles vivent, elles naissent, elles meurent, elles explosent et elles peuvent percuter d'autres étoiles. Une fois qu'on est revenu dans le système solaire avec les étoiles, on va parler de la plus grosse étoile qui est très importante pour nous, le Soleil. Comment fonctionne le Soleil, combien de temps il va vivre. C'est très important de savoir un petit peu qu'est-ce qui nous protège du Soleil. Où naissent les étoiles, comme le Soleil, où meurent-elles, où peut-on en trouver. On va parler également des trous noirs, qu'est-ce qu'il parle encore. À un moment, on va reprendre chaque planète et on va décrire un petit peu
deux choses. Est-ce qu'il y a de l'eau sur cette planète? Parce que qui dit eau dit également possibilité de vie, plus particulièrement, encore plus si c'est un océan, s'il y a des océans même s'ils sont congelés. Et enfin, l'activité terrestre comme le géosismie. Et également, est-ce qu'il y a du feu? Quelle est la chaleur en fait de chaque planète? Parce que qui dit chaleur dit également mouvement des plaques tectoniques. Donc vous voyez, on aborde beaucoup de sujets différents. Ce qui fait que la lecture est très enrichissante. Pour finir, les deux dernières parties sont consacrées à la nature, à la biologie et au hasard. Est-ce que nous sommes nés par hasard? Est-ce que nous existons par hasard? Quelle a été l'évolution? Quelles auraient pu être les autres évolutions? Ainsi que des surprises et quelques anecdotes très drôles au niveau scientifique. Elle arrive à la toute fin. Finalement, à la toute fin, on parle plus de la beauté de la nature et de la beauté des accidents naturels, de l'intention peut-être de la nature, que de l'espace lui-même. Donc vous voyez, on a fait plus que parler des étoiles, plus que parler des constellations, des planètes, est-ce qu'il y a de la vie au-delà de la galaxie, combien il y a de galaxies, etc. En fait, pour résumer un petit peu cette histoire de galaxie, on a explosé à un moment et on est en dérive continuelle par rapport à l'endroit où on a explosé. Donc voilà, une lecture très enrichissante. Je peux pas dire que ça m'a vraiment hyper passionné parce que c'était une lecture difficile. Dans le sens où j'étais souvent en train de relire les paragraphes pour savoir, pour être bien sûr de tout comprendre ce qu'il disait. Donc, il n'en reste malgré tout que c'est très bien écrit, les photos sont d'une rare qualité, franchement, j'ai jamais vu ça. Si vous êtes un passionné de tout ce qui touche au ciel, à la galaxie, à l'astronomie, je vous recommande fortement ce livre, c'est clairement une référence dans le domaine et si vous avez peu de connaissances sur le sujet, vous allez en apprendre énormément. La semaine prochaine, on change complètement de sujet puisque je vais lire un livre que vous m'avez conseillé, enfin que l'un d'entre vous m'a conseillé. Il s'agit de « Ne coupez jamais la poire en deux ». C'est un livre sur la négociation et ce livre a été écrit par l'un des meilleurs négociateurs du monde, travaille au FBI. Et franchement, j'ai hâte de le lire parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. On change encore de sujet. Je vous recommande, vous également, de faire pareil dans votre défi, de changer systématiquement, enfin, très souvent de sujet pour vous élargir un petit peu vos horizons et pour pas lire toujours un petit peu les mêmes choses. Voilà, c'était Jean-Yves, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Attends, on refait, c'est nul. Chaque jour, je vous parle ça, c'est nul ce que je dis. Ah punaise, on va faire un bêtisier avec tout ça.